Coup de chapeau pour les sapeurs-pompiers d'Arpajon qui ont réussi à finir leur parcours du triathlon de cette 8e édition de la SCA Tri-Poursuite. Voyez-les franchir la ligne d'arrivée au stade Robert Baubin à Bondoufle. Le coup d'envoi est donné à la piscine de Lys pour un parcours de 400 mètres de nage. Revoyez les images, certains ont bien eu du mal à se mettre à l'eau, il faisait très froid. Après la piscine, il fallait vite s'habiller pour monter à la selle. Une fois dans le stade, il fallait courir 3 tours de terrain. Mais une fois la ligne franchie, il n'y a que de la joie, que du bonheur, même si on a souffert. La réaction des sapeurs-pompiers d'Arpajon, très contents de leur contre-la-montre. Bah, très très bien, on a un petit peu souffert en vélo parce qu'il y avait quand même pas mal de vent. Et puis on a un petit challenge entre nous puisqu'on est une équipe de sapeurs-pompiers. Et intérieur-centre, on s'était fait un petit challenge. Donc on a eu la chance de finir premier, donc trois équipes, c'est bon. Centre de sport d'Arpajon. Et on finit premier, bien sûr, hein, ça c'était prévu. C'était déjà sur le papier. On a une autre équipe. Non, très bonne sensation. Très très bonne sensation et une très bonne organisation pour tout le tour. Et donc c'était super, quoi. Merci à tout le monde, à l'organisation. Voilà, c'était génial. C'est notre premier par équipe. On s'est fait plaisir. Ouais. C'est pas notre premier triathlon ensemble, mais là c'est le premier par équipe. On s'est vraiment fait plaisir. Et le circuit très bien fermé, pas de problème avec les voitures. Course à pied, super. Non, franchement, très bonne organisation, super, super en tout cas.